conçue pour l'été 2010, une exposition de Laurence Jenkel. On a mis 6 bonbons qui sont censés représenter les tendances colorées de ce qui fait Monaco. Donc on a des drapeaux, c'est-à-dire les nationalités qui font Monaco, des drapeaux américains, des drapeaux russes, anglais. On a aussi un drapeau bleu, le bleu qui symbolise la mer et puis aussi le ciel de Monaco. On a aussi un bonbon damier parce que le damier, c'est à la fois le drapeau de la Formule 1. Vous savez, c'est les drapeaux qui font les départs de course Formule 1. Mais c'est aussi les supports de jeux comme par exemple le backgammon. Et c'est vrai que Monaco reste quand même une capitale internationale du jeu incontournable. Et puis enfin, on a un drapeau aluminium. Aluminium, c'est le clinquant, le côté un peu show-off de Monaco, qui continue toujours à fonctionner. Donc voilà, on a conçu cette exposition qui s'appelle Colors of Monaco. Le message, c'est un message de bonheur et d'amour et un langage universel, puisque le bonbon, ça parle à tout un chacun. Tout le monde a déjà mangé un bonbon. C'est un sujet facile, mais qui me parle et qui certainement me... Je me projette dans mes lointains souvenirs d'enfance. Alors, en même temps, c'est un support, donc je le travaille comme une toile, donc je le décline. C'est vrai que mon art est un petit peu sorti du nouveau réalisme, du pop art, donc ce sont des couleurs flashy et je peux exprimer ce que je ressens en fait sur un simple objet, un pur objet de désir que chacun a voulu ou a goûté ou n'a pas pu avoir. C'est tout un symbole, le bonbon. C'est un sujet extrêmement simple mais très fort en même temps. Le wrapping, c'est ce que j'ai baptisé en fait, en anglais ça veut dire emballage. Et quand j'ai sorti ce bonbon, le premier bonbon, c'est instinctivement, je l'ai appelé wrapping parce que c'était une torsion, comme un emballage de bonbon, un bonbon qu'on habille et qu'on déshabille. Donc c'est tout le sujet du bonbon. Moi-même, j'ai été séduit dès le départ. Par un très grand bonbon rouge que j'ai mis sur mon balcon et qui s'harmonise parfaitement avec ce que je recherchais, c'est-à-dire se rapprocher un petit peu, et je m'en excuse, mais ça a été toute ma vie, du médicament. C'est un bonbon, c'est pas un médicament, mais un médicament peut être un bonbon. Et à partant de là, ça a constitué pour moi une décoration qui est très belle. Je trouve que c'est très frais, c'est super joli. J'aime beaucoup le bonbon fragmenté et j'ai bien aimé aussi la première série avec le bonbon, avec le drapeau américain. Le côté enfantin en fait de l'œuvre, le côté bonbon, le côté acidulé, le côté... Oui, ça rappelle un petit peu l'enfance. Chaque pièce est unique, c'est surtout ça qui fait l'intérêt des bonbons, c'est que je travaille la plaque donc dans un four, et quand je sors cette plaque, la plaque c'est toujours une torsion et un drapé différent. C'est jamais la même chose, donc je serais incapable de refaire deux fois le même bonbon, et c'est tout ce que j'aime parce que j'ai pas envie de faire deux fois la même chose. Il n'y a que pour les séries de drapeaux où là j'ai décidé de faire des éditions de 8 pièces plus 4 éditions d'artistes, 4 épreuves d'artistes, en sachant que chaque bonbon est unique. Déforme mon bonbon, je l'utilise pour c'est pas juste le bonbon, j'insère de l'aluminium, des flèches, des picots, énormément de choses, j'assemble mes bonbons, je personnalise mes bonbons, je les magnifie, je les fais réellement entrer, je l'espère, dans l'histoire de l'art.